Et voici le sujet du mini-débat du jour, Ligue 1 ivoirienne. Certains clubs ne sont programmés qu'à 18h, quand d'autres jouent tout le temps à 15h30. Des équipes collectionnent également les matchs en retard. La programmation des rencontres du championnat national est-elle de nature à avantager certains clubs? Cette programmation peut-elle à terme influencer le résultat final de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire? Rejoignons-nous en direct au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook de la radio Koulibaly N'Golo Ibrahim, évidemment que ça peut influencer, surtout les matchs en retard. L'heure du match est très importante. Il va falloir que la SEC goûte aussi au soleil du Champrou. Kangbe et Stéphane, la programmation des rencontres et les matchs en retard n'ont pas d'influence sur le champion de Côte d'Ivoire. Que voulez-vous quand les infrastructures sportives sont insuffisantes? Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule équipe qui joue à 18h dans ce championnat. Concernant les matchs en retard, que voulez-vous qu'on fasse quand des équipes sont engagées en compétition Afrique? Ezekiel Niawa, je pense pour ma part que cela donne l'avantage à certains clubs. Ceci dit, ceux qui jouent à 18h doivent jouer également à 15h30 pour la prochaine rencontre. Kouadio Jean-Marie, bonjour. Vous êtes à Abengourou. C'est là. On vous écoute. Voilà, Anja Soukrou. Oui. Moi, je pense que la FIFA doit revoir un peu sa manière de programmer le match et sa manière d'organiser le championnat. Parce que déjà, avant que le championnat même soit organisé, on connaît déjà le champion de Côte d'Ivoire. Imagine-toi, la SEC la joue qu'à 5 matchs en retard dans un championnat de Côte d'Ivoire, c'est normal, en ligue professionnelle. Mais ce n'est pas du tout normal. Déjà, avec les 5 matchs en retard, la SEC déjà a joué 3 matchs en retard. Il est classé premier avec 18 points. Il reste encore 2 matchs en retard. En ce moment-là, vous appelez le championnat, ligue professionnelle. Mais laissez la section jouer le championnat et puis les autres vont s'asseoir pour les regarder. Ce n'est pas du tout normal. Ils n'ont pas arrêté de fabriquer le champion. C'est par rapport à ça que sur le continent international, nos équipes sont éliminées toujours en phase de poule. Parce que le championnat n'est pas compétitif. C'est ce que moi je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous, à Abengourou, monsieur Kouadio Jean-Marie. Félix Oko Richard à Labodougou. Bonjour. Bonjour Ange. Comment ça va, Félix? Ouais, Dieu fait grâce, on est là. Ça va, voilà. D'accord. Ça va. Allez, la programmation des rencontres du championnat peut-elle influencer le résultat à terme? Ouais, tout à fait. La programmation, j'allais dire qu'elle n'est pas régulière. Parce que s'il y a d'autres qui sont programmés à 15h et d'autres jours, et sincèrement à 18h tous les jours, ce n'est pas normal. Il serait mieux de programmer d'une façon, linéaire, tous les matchs au même moment aussi que les autres, pour que tous puissent être au même niveau. Ça, c'est ce que je vois concernant les programmations. D'accord. Ça arrange deux, ça n'arrange pas deux, c'est pas bien. D'accord. Maintenant, concernant le match en retard, oui. Je pense que ça arrange beaucoup cette formidable équipe de la SEC Limousin. C'est pas normal. Et cela fait qu'il y a des frustrations. D'accord. Je pense qu'il y a des frustrations. Parce que, du coup, si tu as moins, c'est qu'à 5 matchs à moins, déjà, quand on multiplie 5 par 3, ça fait déjà, vous voyez le nombre de points qui est déjà positionné. D'accord, 15 donc, vraiment, points. Je pense que, pardon? Ça fait 15 points. 15 points. Oui. Déjà, c'est quelque chose. Que, d'accord, Félix. Oui. On vous a bien compris. Oui. Excellente journée à Labodougou sur la page Facebook de la radio Tano Euma Josué. Les matchs de 18h n'influencent aucun résultat. Quand un match est programmé à 18h, ce n'est pas une seule équipe qui vient jouer. Si le soleil est un handicap pour un travailleur, nos paysans n'allaient pas avoir de grandes superficies qui permettent à la Côte d'Ivoire d'être
première productrice dans plusieurs domaines agricoles. Manouan Franck Aristide Natia, il n'y a pas d'avantage pour ceux qui jouent chaque fois à 18h. C'est le manque d'infrastructures qui fait que c'est toujours comme ça. Il faut savoir que ceux qui font la programmation des matchs ont des équipes en Ligue 1 qui veulent être aussi champions. Ne mettons pas l'huile sur le feu. Ayons assez d'infrastructures et vous verrez. Kone Ibrahim, bonjour. Bonjour, Aïe. Vous êtes à Yopougon, Trois-Rouges. Bien sûr. La programmation des rencontres de la Ligue 1 ivoirienne peut-elle influer sur le résultat final? Bon, Aïe, moi, pour moi, les matchs en retard, la programmation, il y a un problème. Parce que le problème est qu'on peut avoir des matchs en retard. Il n'y a pas de problème. Mais la chose, c'est qu'on ne comprend pas. Quand un club ivoirien joue la Coupe africaine, quand elle a un match à venir, le match de championnat que ce club-là doit jouer est reporté. Je n'arrive pas à comprendre ça. Est-ce que si le club-là joue le match du championnat, elle ne peut pas tenir, elle n'est pas préparée physiquement, ou bien le problème c'est quoi? On voit ailleurs, dans les championnats professionnels, un club qui joue samedi, elle joue mardi ou mercredi, la Ligue des champions. Mais pourquoi chez nous ici, quand il y a un match de Coupe africaine qui arrive, on peut faire deux journées de championnat sans jouer pour attendre le match qui arrive. Le problème là, c'est quoi? Nos clubs là ne sont pas suffisamment prêts physiquement. Alors que si on n'arrive pas à enchaîner ces genres de matchs, ça veut dire que nous ne sommes pas en jambes physiquement. Et sur le plan africain, on ne peut pas être compétitif. Il faut que nos clubs arrivent à jouer le championnat et enchaîner avec les matchs des Coupes africaines. D'accord. Ça peut éviter aussi des matchs en retard à tout moment. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai bien compris. Voilà, il faut revoir ce problème-là. D'accord, merci beaucoup. Bien, expliquez-nous qu'est-ce qui coince. D'accord. Sinon, comme n'arrive pas à enchaîner les matchs. Merci, on aura l'expert tout à l'heure, le coach Lassina Traoré. Je pense que peut-être que lui pourra nous expliquer. Kwame Kra Eric Adou, c'est une mélodie qui devient récurrente à la SEC. Qui joue toujours à 18h et a toujours des matchs en retard pour après venir remporter le titre aussi facilement. C'est une concurrence déloyale. Namori Bakayoko, c'est évident que cette programmation puisse être interprétée diversement, d'autant plus que si les cadors jouent à des heures convenables au détriment des clubs de moindre calibre, il convient de faire une rotation au niveau de cette programmation afin qu'il n'y ait pas de discrimination. Yao Séverin, bonjour. Bonjour, Anja Soukourou. Vous êtes à... Toute la population de Bloc vous salue. D'accord, vous êtes à Divo. Oui, au Bloc, 60 km de Divo. D'accord, vous vous écoutez relativement. Le sujet est bienvenu. Bon, les auditeurs appellent, moi, selon moi, ça ne peut pas influencer. Oui. Rappelez-vous que l'Africa joue à 18h demain. Parce que c'est le supporter de l'Afrique, chaque fois il se plaint, il dit que la SEC a 26 titres de champion de Côte d'Ivoire. C'est pas Marc Arrêta qui a fait l'Afrique. Il faut qu'on se comprenne. Oui. Il y a une vraie fratricité qui manque. Voilà pourquoi les matchs sont programmés. Chaque fois on descend, le président était pour le président de la Ligue professionnelle pour dire que la SEC est favorisée. L'année dernière, la SEC a joué 5 matchs en retard. C'est parce que la SEC jouait à l'extérieur. Mm-hmm. Au Bénin, c'est ce qui a fait qu'à cette joué le Marc Arrêta. Mm-hmm. Le Marc Arrêta aussi, c'est valable à l'autre équipe aussi. Soit à deux Marc Arrêta, soit à trois champions. Ouais. Il faut qu'on arrête ça. D'accord. Ça, c'est comme ça, c'est pas bon. Il y a un problème de toute nation, de notre équipe, de nos championnats. Nos joueurs quittent vite. C'est ça le problème. Sinon, si la SEC est champion, ou FC Champions est champion, il peut aller jouer Coupe Ligue des Champions. Mais les joueurs qui sont vite, faut voir cette année, les joueurs qui sont partis dans nos championnats. Combien? Et puis ils sont partis à Érythrée, Éthiopie, deuxième division de l'Afrique du Sud. D'accord. C'est ça le problème. D'accord. Selon moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yao Séverin. Excellente journée à Divo. Yao, la force tranquille. La SEC ne joue seulement qu'à 18h. C'est dû à quoi? Toujours des matchs en retard. Denis Kambou, la SEC Mimosa joue la majorité de ses matchs à 18h et après on nous dira qu'elle joue contre d'autres équipes. Donc si elle arrive à marquer, l'équipe adverse peut aussi le faire. Mais franchement, dit, la SEC est favorisée depuis des années, sans compter les matchs en retard. Pour qu'on ait un bon champion,
il faut équilibrer les temps de jeu aux différentes équipes afin que le champion défende valablement les couleurs ivoiriennes. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour coach. Coach. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui concerne la programmation des matchs et les heures des matchs, surtout au niveau des horaires, sans compter les matchs en retard? Écoutez Ange, tous ceci sont des éléments qui ont fait l'objet des critiques de l'ancienne classe dirigeante il y a quelques temps de cela. Et on remarque que, franchement, les programmations sont pas bien faites. Et pendant que des équipes sont au repos, quand vous regardez le Dengele a fini pratiquement ses 10 matchs, pendant qu'il y a d'autres équipes comme l'ASEC d'Abidjan qui avait 5 matchs en retard, et que maintenant a 2 matchs en retard, et que l'ASEC maintenant au fauteuil de leader, on remarque qu'il y a des équipes qui jouent 2 matchs par semaine. Et je pense que cela, en termes de récupération, c'est éprouvant pour les équipes, c'est éprouvant aussi pour les joueurs, et notamment, c'est sûr que si vous jouez un match ce lundi contre une équipe, comme par exemple l'ASEC d'Abidjan, et que dans 4 jours, vous devez jouer encore contre le Dengele, vous voyez déjà que en termes de calcul, en termes de récupération, ça devient extrêmement difficile. D'accord. Merci beaucoup, coach. On vous a bien compris. À 8h, le Flash Afrique de la radio avec Ange Patrick Éolier. Excellent début de semaine à tous.